Yeah.
Nous sommes rassemblés ce soir dans cette construction à l'occasion des funérailles de nos regrettés défunts. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été la vie de ces personnes que nous avons vécu avec eux. Ils ont vécu au milieu de nous. Nous voulons, à travers cette action de grâce, les recommander une fois encore au Seigneur, comme lui, il nous aime et qu'il le pardonne aussi à toute personne qui reconnaisse ce qu'il a fait. Nous voulons les présenter au Seigneur afin qu'il puisse leur pardonner et leur donner d'accéder dans sa maison de joie et de paix. Je veux voir ça aujourd'hui. Oh,
jambe. Thank you.
I'm
Thank you.
Oh, Palaï. Non, 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 non
Ah bonjour, I'm going to go to the hospital.
Yeah.
J'ai eu l'occasion de la comprendre.
Je pas comme que l'occasion le non tu as développer un faire partie de ma façon tu me crois pas m'a invité au tu es fier Monsieur Vouquin-Urich, bonsoir. Bonsoir. Parvenons là à la fin des funérailles de votre cher grand-père. Ouais. Alors, quelles sont vos impressions? C'était très bien, surtout avec la présence et l'arrivée du chef là qui était vraiment époustouflant. Et c'était vraiment super. Parce que là, il voit comment tous les parents se sont défoulés. Ma mère était contente. J'ai même cru qu'elle marchait à sans béquille. Donc, c'était très bien. Bon, ce qui m'a marqué pendant ce final, c'était le chef Bafou. Il n'a même pas cru qu'il pouvait danser comme ça. Ce qui m'a marqué, c'est sa manière de danser. C'est tout. Il faut l'acheter. Je suis à Montré, à la Mambassade. Je suis à mon père, je suis à Mialouk, mon con, Zangé Vitor. À Zé Kwangté. And then go to fall as soon as you effectivement, au fond, c'est très pertinent. Allez, moi, il permet à mon ambassadeur le feu Zang Vitor, Hong Kong, à le coup, me coupe les ongles, le coup d'une façon dramatique. Pour le jeu, Fonjo, à la suite, de quoi? De toi, à l'accident pour côté. Elle aimait la fou pour un jour terrible, pas fou, était froid. À quoi, mais je me rends compte. Déjà, dans ma school à Yaoundé, à l'école, j'en ai cru la chimbo, annonce mon fou. Et Betonoui, avec les enfants tout petits, les veuves, les jeunes femmes qui viennent se marier, nous, on a pensé à l'époque que le ciel était comme sa tête, on va s'en dire, cette famille-là. Et ça fait aujourd'hui. Une trentaine d'années qu'il est mort. Les enfants ont pensé que de pas la coutume est faux. Mais
Je à la funéraille. On pense à lui. On peut dire à la singe, à la sardonge. Dieu merci. Bonjour, monsieur. Ambassadeur, nous fondons. Notre grand-père, monsieur Yah, nous comptons, nous comme il devait. C'est bien que beaucoup, ils sont dans donc, le père là, alors on craint, nous avons préparé. Après, c'est la force de Dieu. Parce que nous avons cru deux ans, un an, d'autres, les femmes sont grosses. Nous avons cru, mais pas Yah. Nous comprenons, ils vivent. C'est un miracle. Donc, ce jour-ci, pour nous, c'est un grand jour. Ça me fait croire que nous m'a rien. On n'a fait qu'il est présent tous les jours. Moi, où le Andonzing, je te mords quand tu es allé, où tu es une jeune fait pas, à quoi on a environ 45 ans. Mais puis, tu te mets réalisation, mais le bon bon d'angle. Genre, de celui, me catézin, bord d'un terre. Je suis un peu plus de temps. Ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, le temps à perdre pour l'école, comme nous aujourd'hui. Pour les pauvres, nous aussi. Leur père, notre papa, les avait situés. Ils font le commerce. Ça n'a pas d'école, c'était le commerce. Pendant que vous êtes en train de faire le cycle primaire, le secondaire, l'université, l'école de formation, lui, il est parti directement faire son commerce. Ce qui fait qu'à l'âge de 20 ans et 25 ans, il était déjà un homme qui connaît ce qu'est la vie. Et c'est pour, c'est comme ça qu'il a pu avoir trois femmes à son âge là. Nkombazi, en tant que jeune commerçant dynamique, un jeune prince, Nkombazi t'aimait. Pour nous, à l'époque, c'était très grand. À l'époque. Ah oui. Mais c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte qu'il était tout petit. Il était avec un mec. Aujourd'hui, il y a des gars, il y a des amis qui sont encore à l'école à 40 ans. Ils sont célibataires. Et c'est normal, aujourd'hui. À l'époque, là, nous, on voyait qu'il était, comme c'est nos parents, il était très grand. Bon, nous avons dit que c'était tout petit à ce moment-là, aujourd'hui. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer? La leçon de l'époque. Une époque où on avait peut-être les conditions étaient favorables. La leçon, c'est que avec ces deux époques, l'époque dans le temps où l'enfant naissait et lui avait tout de suite, n'est-ce pas, son fonds, commerce, affaires, pour devenir un homme. Et l'époque d'aujourd'hui où il faut d'abord faire un cycle scolaire, se former intellectuellement, avant de devenir une personne, la leçon qu'on dit, c'est que, on va dire aujourd'hui, c'est que l'homme, est, en tant que personne humaine, devrait tout faire avec le sérieux. Que tu aies fait, n'est-ce pas, des études, être agrégé à mille matières, ou bien que tu n'aies pas eu à faire même le cours élémentaire, la leçon la plus importante, c'est que il faut que tu puisses être sérieux dans ce que tu fais. Si tu es professeur d'université, sois sérieux dans ton cours que tu donnes aux enfants à l'école. Si tu es pousseur, sois sérieux dans ton pousse là, porte tout là, que tu portes pour porter les affaires des gens. Quand tu es sérieux, ça marche. Il a été sérieux, il a su les pas de son père. Son père a dit que moi je suis là comme ça. Moi, ça a dit que je suis comme ça là, un homme forgé à partir du commerce, des affaires. Il a su son père, il a été sérieux. Il a pu faire ce qu'il a fait là à son temps, naïvement, parce qu'il était sérieux. Donc étant sérieux, on peut tout faire. C'est la leçon de l'époque sérieux. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps.
ndi fola ashe akutsunga uboko ndomani la mi yazi ngo antunshi ngo bigdetse mi yatinko ngo bigdetse ngo pomuso po inutse ngila. Je vais profiter effectivement de votre antenne pour dire que l'histoire même de quand on parle de Ndjit Fondjou Mbassandio, beaucoup ne maîtrisent pas cette histoire. Ndjit Fondjou Asingo, le grand frère Mbassandio, et ils sont parmi les fondateurs de ce quartier ici. C'est eux que Chebafou a envoyé ici à l'époque pour créer ce quartier ici. Et il a fait du grand frère mon père, Ndjit Fondjou, chef de quartier, Ndjungu, et fait de mon père le chef ici, de ce côté-ci. Ndjit Fondjou, lui aussi a une histoire brève. À 35 ans, il avait plus de 20 femmes. Malheureusement, il est aussi mort tragiquement. Comme notre frère qu'on a traité de notre frère, c'est le funérail. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on parle de Ndjit Fondjou, beaucoup n'avaient pas à savoir de qui il s'agit. Parce qu'on nous rapporte que dans les années 1935-40, nos mamans n'étaient pas même mariées. C'était des gens qui avaient mis 20 ans de femmes ici. Ils sont partis comme ça. Et son petit frère, qui est mon père, Mbassandio, est resté encadré. Et la famille de son faux frère, qui était son faux frère, le grand frère, qui était Ndjit Fondjou, c'est pour famille, et fait qu'aujourd'hui, qu'on retrouve cette famille ensemble. Et c'est pour cela que, ici au funérail, on a pu voir toutes les deux familles ensemble pour célébrer, n'est-ce pas, cette grande fête. Et croire en ce que Dieu va faire que demain, que les deux familles puissent grandir et faire de Bafou un grand village. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup.